En train de travailler sur l'intégrale de 0 à 1. Alors. Oui, ça fait 3 jours aussi, il nous dit la bonne là. Vous avez fait quoi du coup? On a juste fini ça. On a trouvé que vers ça la... convergeait. Vers la fin de l'heure, je pourrais me donner ça, j'écrirai la suite. Enfin, après du coup. Comment je te donne ça? Là, je t'enverrai une photo. Je vais peut-être appeler F quand même, là. On a prouvé, on a fini ça mardi, que celle-ci était convergente parce qu'elle était prolongeable par continuité. Faisons l'étude en 1. Alors, ça, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un bon exemple, ça, pour voir ce qui se passe de l'étude en 1. Déjà, on a vu quelque chose, et j'en ai pas encore parlé. Mais, il y a plusieurs choses à dire sur l'étude en 1. Première chose, on va, pour la première fois, essayer d'étudier quelque chose qui est impropre. Déjà fait. Mais pas en ni à l'infini ni en zéro, qui sont les deux points de référence où vous allez travailler le plus et où vous avez le plus de résultats, mais là on va être ni en zéro ni en plus d'infini. Donc là c'est en 1. On sait qu'on a besoin, notamment pour faire des limites, ce genre de choses, on a peu de résultats en 1, on a reparlé la dernière fois, on va sûrement, et c'est le bon réflexe à avoir, faire un changement de variable posé pour se ramener avec une variable qui tend vers 0. Maintenant, pour la rédaction de la convergence de l'intégrale, il y a plusieurs variations pour expliquer ça proprement derrière, une fois que les calculs sont faits. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Alors, on va regarder ce qui se passe en 1. Première chose, f de t, on l'a vu mardi après-midi, je reprends ça directement. On l'a vu à la fin des calculs, quand on avait notre équivalent qui était avec un moins dedans, c'est une quantité négative. Donc pour pouvoir appliquer nos résultats de cours, on va passer directement en valeur absolue. On l'a fait l'autre fois, on va le faire directement. Donc on va regarder la valeur absolue de ça. Alors la valeur absolue de ça, c'est juste, on met un moins du coup. Parce qu'on avait vu que la quantité était négative. Et on se retrouve avec ça. Maintenant, quand t tend vers 1, qu'est-ce qu'on peut dire de cette quantité, Yessine? On peut faire un DL du LN en faisant un changement de variable. De quel LN? Du LN carré. Oui, celui qui va être au dénominateur. Celui au numérateur va... Alors là, c'est là où il faut réfléchir. J'ai juste écrit, on ne va pas continuer là-dessus, n'écrivez pas, mais c'est juste... T tend vers 1. Donc le ln qui est au numérateur, si t tend vers 1, le ln qui est au numérateur, lui, est au voisinage de 0. Ce qui est à l'intérieur du ln est au voisinage de 0. On ne supprime jamais un ln au bord de son domaine de définition, tout comme une exponentielle. On va devoir le conserver. On ne va pas pouvoir faire disparaître ce terme. On pourra peut-être le simplifier un peu, on va voir comment juste après, mais on ne va pas pouvoir le faire disparaître. Là, ici, on peut y penser racine de t quand t tend vers 1. Alors, oui, quand on va écrire ça, on a un développement limité de... quand on va l'écrire racine de 1 plus quelque chose, là, on a un développement limité de la racine ou un équivalent. Maintenant, soyons clairs, à chaque fois, tant qu'on a des produits, et ici, il n'y a que des produits, ce qui nous intéresse quand on fait des développements limités ou des équivalents, c'est le premier terme non nul du développement limité ou de l'équivalent. Et ici, le premier terme non nul pour la racine quand t tend vers 1, c'est sa limite, c'est 1. Ce terme-là va pouvoir disparaître, il ne va pas nous gêner. Maintenant, et c'est ce que tu as vu toi, Yessine, c'est que ce terme-là, donc quand t tend vers 1, c'est un ln au voisinage de 1. Un ln au voisinage de 1, ça tend vers 0, c'est pas assez précis, c'est pas... donc c'est là où il faut appliquer l'équivalent ou le développement limité, on va voir comment on écrit les choses. Ok, donc allons-y. Ce qu'on va déjà écrire, c'est qu'on va poser. Alors, je voulais déjà expliquer ce principe-là, mais vous aviez eu du mal quand je l'avais fait. C'est de poser. Alors, le but, c'est de se ramener avec une variable qui tend vers 0. Donc, si t tend vers 1, on va poser t qui vaut. Alors, vous avez le réflexe de le poser 1 plus h parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Maintenant, si on est sur l'intervalle 0, 1, on approche de 1 par valeur inférieure. Si on veut travailler avec une quantité positive pour que ça soit plus pratique à manipuler pour nous, vu qu'on sait que nos quantités doivent être positives, il vaut mieux le poser 1 moins h, pour qu'on ait une quantité h qui va bien, elle, être positive. Si on pose t qui vaut 1 moins h, on a h
qui va valoir 1 moins t et qui va tendre, quand t tend vers 1 par valeur inférieure, ça va tendre vers 0 par valeur supérieure. C'est juste pour bien dire que h est une quantité qui tend vers 0 et h est positive. Ok, bah remplaçons ça là-dedans. Qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me faire du moins ln de 1 moins 1 moins h le tout au carré sur racine de 1 moins h, ln carré de 1 moins h. C'est une égalité, hein, y a rien de plus que ça. Juste pour... je vais continuer là mon calcul. Juste pour ne pas perdre la moitié de mon tableau, à faire une grande bande en bas. Maintenant, au numérateur, je vais déjà développer ce qui se passe à l'intérieur du ln pour mieux l'écrire. Ceci, ça va me faire, si je développe mon carré, en bas, ah, j'ai mis égal, je vais peut-être l'enlever directement, c'est égal. Bon, on peut le garder temporairement, ça va pas être très 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 gênant. On passe aux équivalents après, je vais peut-être, on va voir, on va garder ça. Du coup, je vais directement mettre que cette quantité est équivalente quand h tend vers 0. La racine, pas besoin de s'embêter, elle est équivalente à 1. Le ln, ln de 1 moins h, il est équivalent, dessine. Voilà. Ça va faire du moins h par produit, c'est un produit d'équivalent, on a parfaitement le droit de le faire. On obtient du moins h au carré. Qu'est-ce qui se passe en haut? En haut, c'est du moins ln. Alors, si je simplifie tout, il me reste du 2h plus h carré. Et en bas, j'ai du h carré. Ok. Alors, on peut potentiellement s'arrêter là. Je préfère juste... Oui, Valentin. Un développement limité, Valentin, ça se fait avec une variable qui tend vers quoi? Ta variable t, elle tend vers 1. Il faut que tu fasses apparaître le fait que tu es proche de 1. Donc ce que fait le h, c'est dire, c'est la petite variable qui fait que tu es proche de 1, entre guillemets. Ok, c'est juste un développement limité, ça s'écrit avec une quantité qui tend vers 0. T'avais pas levé la main, Serge, j'avais cru... Okay. Alors, là, vraiment, on pourrait garder ça au numérateur, c'est juste, je vous l'ai dit, enfin, c'est juste pour reprendre ma séance de remédiation, je vous ai dit, on ne garde que, vraiment, on ne peut garder qu'un seul terme en ln. Alors, on va l'écrire à part, parce que ça sert à rien de continuer ce calcul juste pour ce terme-là, mais, et on va le prouver, parce qu'on n'a pas le droit de composer les équivalents, mais d'après vous, cette quantité-là, au plus simple du plus simple, elle est équivalente à quoi? On ne serait pas obligé de le simplifier. Hein. Dans la version finale, je ne suis pas obligé de le simplifier. Mais là, j'ai envie de le faire parce que ça, c'est un bon exercice aussi de savoir trouver un équivalent simple de ça. Et comme on n'a pas le droit de composer les équivalents, on va simplifier ça par le calcul. On va le prouver à la main. Qui gagne entre 2h et h carré? Quand h tend vers 0, le terme en 2h. Donc si on avait le droit de composer les équivalents, juste d'un point de vue logique, ça serait logique que ça fasse du moins ln de 2h. Ensuite, avec propriété du ln, moins ln de 2h, ça ferait ln moins ln de 2 plus ln de h. Le ln de h allant vers l'infini, le ln de 2 étant une constante, ce sera, en fait, cette quantité-là, elle est équivalente à moins lnh. Donc cette quantité-là, elle est équivalente, quand h tend vers 0, à moins lnh. Vous n'avez pas le droit de l'établir comme ça. D'ailleurs, je vais écrire... Donc, ceci est équivalent quand h tend vers 0 à moins lnh sur h carré. Maintenant, je vais juste l'établir. Alors, comment on va prouver ça? Bah, on va faire des égalités et faire des choses simples et voir ce qui se passe. On va écrire quelque chose là-dessus. Comment vous pouvez essayer de me faire établir cette équivalence? Qu'on savait faire depuis le début de l'année, Mohamed. Ouais, si on veut que le terme dominant ce soit 2h dans le ln, on va factoriser par 2h. On va dire que ça, c'est moins ln de 2h, facteur de 1 plus h sur 2.
Du coup, maintenant, propriété du ln, je développe tout. Ça fait moins ln de 2, moins ln de h, moins ln. Ceci est une constante. Ceci tend quand h tend vers 0, vers 0. Et ceci tend quand h tend vers 0, c'est un h, hein, vers plus l'infini. Entre les trois termes, qui est le terme dominant? Et c'est juste le principe d'un équivalent. C'est le terme le plus grand parmi les trois. Là, il n'y a aucun doute que le terme dominant, c'est plus l'infini. Donc ceci est clairement équivalent. Parce que les deux, en gros, les deux autres termes sont négligeables. Ouais, plutôt que de l'écrire directement comme ça, je pourrais même écrire que c'est juste du moins lnh plus petit o de... Enfin, tous les autres termes sont négligeables derrière ce terme en lnh. Et ça, je vous rappelle que ceci, c'est la caractérisation d'un développement limité pour dire qu'on a trouvé l'équivalent qui est là. Ok pour ça ? J'ai simplifié au maximum ma quantité. Vous êtes obligé de le faire pour arriver à comprendre si ça va converger ou pas. C'est-à-dire que essayer de garder des termes aussi compliqués et des formes indéterminées, on n'y arrivera pas. Alors maintenant, ce que j'ai fait... quand h tend vers 0, cette quantité-là, elle tend vers quoi? J'ai un moins ln qui tend vers plus l'infini divisé par 0 au carré. Cette quantité-là, elle va méchamment vite vers plus l'infini. J'ai un plus l'infini en haut et je divise par un 0 au carré au dénominateur, donc j'augmente encore le plus l'infini. Donc cette quantité-là tend vers plus l'infini. C'est bien une vraie intégrale impropre. Comparé à ce qu'on avait fait ici, on avait obtenu une limite de 0, donc c'était une intégrale faussement impropre. Ça se prolongeait facilement, il n'y avait pas besoin de se comparer. Ici, on va être obligé de se comparer. Toujours la même chose. Il y a deux idées et ensuite deux rédactions différentes de l'idée. Première chose, dans les deux idées, est-ce que vous allez prouver que ça converge ou est-ce que vous allez prouver que ça diverge? Est-ce que vous avez l'intuition de c'est convergent ou c'est divergent? Si vous avez l'intuition, vous pouvez vous dire par rapport à quoi vous allez essayer de vous comparer. Deuxième chose, vous n'avez pas l'intuition, on se compare à une intégrale de Riemann quelconque avec un paramètre alpha, et selon la valeur de la limite, et là on va voir que si on le fait comme ça, ça alourdit un peu les choses parce que la limite va changer selon la valeur de alpha, c'est pas la même limite dans tous les cas, il va falloir réfléchir à ce qu'on déduit de cette limite générale. Alors, la version intuitive. La version intuitive, ça converge ou ça diverge cette chose-là pour vous? Je vous ai un petit peu aidé en expliquant ce qui se passait. Est-ce que ça va converger ou est-ce que ça va diverger? Mohamed, pourquoi? C'est pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai expliqué mardi? Ici. Alors, on a une variable t qui tend vers 1 ou une variable h qui tend vers 0. Je vais plutôt mettre t qui tend vers 1. Et la limite, en gros, enfin, c'est la même limite. Hein. Elle tend vers plus l'infini. Pour que ça converge, quelque chose qui tend vers... Là, on tend vers 1 par valeur inférieure. Pour que ça converge, il faut quoi sur cette fonction? Qu'elle aille vite vers plus l'infini ou qu'elle aille lentement vers plus l'infini? Mohamed. Il faut qu'elle aille lentement vers plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai dit en vous disant déjà il y a le ln qui va vers plus l'infini et en plus on divise ça par un 0 au carré. Donc un 0 au carré c'est comme si on multipliait par un infini au carré. Donc cette chose-là, ça, moi si je dois réfléchir, ça m'a l'air d'aller très très vite vers plus l'infini. Si ça va très très vite vers plus l'infini, dans l'absolu, j'essaierai plutôt de prouver que ça diverge. Voilà, c'est plutôt donc... Mais ça montre que l'intuition, elle n'est pas si simple que ça. Donc, on va, si l'intuition, elle n'est pas si simple que ça, on va revenir à la méthode générale. Mais si je devais prouver que c'est quelque chose, moi, ce serait plutôt que ça diverge, et je finis mon raisonnement parce que c'est là le plus simple, à quoi on se compare comme intégrale de Riemann si on veut prouver que ça diverge?
Ça, c'est comme c'est rare que dans les sujets, les vrais sujets, on vous fait prouver de la divergence, vous avez peu le réflexe. Mais en fait, c'est le cas le plus simple d'étude. Yessine ? Ouais, si on est sur 0,1, il faut qu'on fasse avec la sûreté plus sympa, avec une table plus grand que 1. Sinon, peut-être ça diverge. Je suis d'accord. Alors, si on est sur 0,1, je vais l'écrire. C'est pas exactement ça qu'on va réécrire, parce qu'il y a la deuxième étape technique qui nous manque encore derrière. Mais si on est sur 0,1. On va essayer de regarder ça, je suis d'accord, c'est l'idée, avec alpha supérieur ou égal à 1. Mais, justement, est-ce qu'on va, quel alpha on va choisir là-dedans? Et c'est évident. Raphaël hein? Pourquoi? Oui, et parce que, encore une fois, qu'est-ce qui est le plus lent? En gros, avec l'inégalité large ici, il existe une intégrale divergente la plus lente possible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'1 sur t carré, ça explose beaucoup plus vite que 1 sur t. 1 sur t cube, ça explose encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que 1 sur t carré. Donc, ici, on a dans le cours, entre guillemets, notre intégrale divergente la plus lente, c'est celle en 1 sur t. Donc, chaque fois que vous voulez prouver de la divergence, comparez-vous à celle en... pour alpha égale 1 d'intégrale de Riemann. Chaque fois que vous devez faire de la divergence, vous ne pouvez pas faire mieux que ça. C'est sûr et certain. Si, il faut juste montrer que c'est plus grand que, alors plus grand équivalent ou qu'on a un petit taux dans l'autre sens, que quelque chose en 1 sur t. Du moment que c'est fait, instantanément ça diverge. Ok ? Donc bon, la méthode intuitive n'a pas l'air de marcher. Maintenant, il y a deux choses. On a un problème en 1. J'ai écrit mes équivalents quand h tend vers 0. Deux types de rédaction. Moi, ce que je vous conseille, et c'est un réflexe que vous avez encore un peu du mal à faire, c'est que le fait de faire une variable qui tend vers 0, c'est pour pouvoir trouver des équivalents, pour pouvoir simplifier la quantité. Il n'empêche qu'au début, on avait un problème en 1. La version la plus simple pour rédiger ça, selon moi, c'est juste de dire « Maintenant que j'ai trouvé mon équivalent quand h tend vers 0, je vais réécrire cette quantité, non pas en fonction de h, mais revenir à la variable t. » Donc on va écrire ça. Je vais juste vérifier si j'ai l'impression que le coin du tableau... Ah non, c'est juste qu'avec les reflets de lumière, ça passe pas bien. Le haut du tableau passe pas bien. Alors est-ce que je peux orienter un tout petit peu différemment? Ça change les effets de lumière? Non, ça change pas les effets de lumière. Bon, il faut que j'essaye de me limiter. Ça va encore être gênant cette histoire. Voilà. Eh mince. C'était où? Non, c'est bon, c'est bon. Un peu à droite. Ouais, c'est bon. Imagine la personne à regarder une vidéo, c'est plus en mise en compte en personne. Du coup, c'est juste la chose à faire si t vaut 1 moins h, on l'a écrit tout à l'heure, h vaut 1 moins t. Du coup, cette quantité, elle est équivalente quand t tend vers 1 à moins ln de 1 moins t sur 1 moins t au carré. Si maintenant on n'a aucune idée de la convergence, ce qu'on doit faire, c'est la comparer à une intégrale de Riemann qui explose, non pas en 0, mais en 1. Je vous l'ai écrit en classe, le résultat de cours qu'on a, c'est que l'intégrale de A à B de n'importe quel truc de la forme T moins A puissance alpha dt converge si et seulement si alpha, pareil que le reste, une intégrale en 0, si et seulement si alpha est plus petit que 1.
Donc ici, on va faire la même chose avec, en gros, on prend ce résultat-là avec B qui vaut 0, A qui vaut 1. Et on va aller se comparer à une intégrale de cette forme-là. Dans ce cas-là, ce qu'on doit faire, c'est donc dire, on va aller regarder... Pardon, j'ai oublié de mettre que c'était valeur absolue de f de t que j'étais en train de regarder depuis tout à l'heure. Je vais aller regarder valeur absolue de f de t divisé par 1 sur valeur absolue de t moins 1 puissance alpha. C'est la même chose, hein, je mets une valeur absolue, comme là j'ai du 1 moins t. Je peux l'écrire 1 moins t puissance alpha, ça a aussi du sens parce que, bah, comme on a t plus petit que 1, ça va être... Donc ça, c'est la même chose qu'écrire 1 moins t puissance alpha fois moins ln sur 1 moins t carré. Ce qui, la valeur absolue t étant strictement plus petit que 1, ça c'est la même chose qu'écrire moins 1 moins t puissance alpha moins 2. Ln de 1 moins t. Donc voilà la quantité que je dois regarder pour faire mon critère de comparaison. Et c'est là où je vous ai dit que parfois ça va arriver, si vous faites la méthode générale, c'est pour ça que si vous avez une intuition, c'est toujours mieux. Si vous faites la méthode générale, maintenant il faut faire la limite de ça. Quand t tend vers 1, quel que soit alpha. Et ici encore, ça va donner une disjonction de cas pour plein de raisons. Il y a une puissance qui est au voisinage de 0 et un ln qui est au voisinage de 0. J'ai le droit d'appliquer le résultat de croissance comparée. Mais maintenant, pour savoir comment faire mes limites et ma croissance comparée, il faut du coup que je donne par croissance comparée la limite de ce terme-là. Or, on l'a déjà écrit. La limite de t puissance a quand, voilà, je peux écrire x puissance a quand x tend vers 0, ça dépend du signe de a. Ça fait 0 si a strictement positif, ça fait 1 si a égale 0, et ça fait plus l'infini si a strictement négatif. Donc ici, on va faire la disjonction de cas par rapport à quelle valeur ? Esther ? Oui, alors, par rapport à la valeur de alpha moins 2, globalement. Mais oui, et donc ça va, on va se comparer par rapport à 2. Donc si alpha moins 2 est strictement positif, alors, je vais plutôt l'écrire comme ça, cette limite-là, c'est de la forme, donc si alpha moins 2 est strictement positif, c'est de la forme 0 fois l'infini, mais ça, c'est pour le polynôme, et ça, c'est pour le ln, et donc ça fait 0 par croissance comparée si alpha moins 2 strictement positif. Maintenant, ma limite, ça fait 1 fois l'infini, ce qui fait plus l'infini, hein, vu que j'ai des moins et j'ai des signes, si alpha moins 2 est égal à 0, et ça va me faire du... L'infini fois l'infini, qui n'est même pas une forme indéterminée, donc ça va forcément faire plus l'infini. Pourquoi je ne mets pas les signes ici et les signes ici? Enfin, c'est juste, je m'en fiche des signes, mais je travaille avec des quantités qui sont positives. Si je vais vers l'infini avec des quantités positives, je sais que je vais vers plus l'infini. Et ça, c'est si alpha moins 2, strictement négatif. Du coup, qu'est-ce que je peux écrire de ce résultat-là? On a quasiment gagné. Je peux donc écrire, vu que si j'ai un 0 et que là j'ai un plus l'infini, entre guillemets, je peux réécrire que f de t est un petit o de 1 sur 1 moins t puissance alpha, si alpha strictement plus grand que 2. Et ici, je peux écrire que f de t est... Pardon. Ici, si une limite en plus l'infini. Maintenant, c'est là où il faut avoir un autre point qu'on utilise assez peu. Mais comme on fait la méthode générale, il faut le voir. C'est qu'ici, avoir une limite de plus l'infini, c'est avoir une limite en 1 sur 0. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si vous avez une limite de plus l'infini, vous avez un critère de négligeabilité.
mais un critère de négligeabilité qui s'écrit dans l'autre sens, entre guillemets. Donc ce qu'on peut écrire, c'est pas que f de t est un petit o comme on le fait tout le temps, ici ce qu'on peut écrire, c'est que 1 sur 1 moins t puissance alpha est un petit o de f de t. Et ça, c'est si alpha inférieur ou égal à 2. J'ai écrit mes critères de comparaison de façon générale. Oui, Dan. J'ai compris la suite, mais pourquoi est-ce que ça se compare à cette intégrale-là et pas juste à l'intégrale de Riemann normale? Parce que le problème ici, il n'est pas en 0 ni en l'infini, il est en 1. Okay. Donc il faut se comparer à une intégrale de Riemann qui a, elle, un problème en 1. Okay. Donc dans le cours, c'est chaque fois que vous serez ni en 0 ni en plus l'infini, il faudra faire ça. Okay. Ou alors faire la deuxième méthode. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mais si vous n'aimez pas travailler avec des variables qui ne tendent pas vers 0 ou l'infini, on pourra toujours s'en sortir autrement. C'est la deuxième méthode que je vais proposer après. Je pense que ça, c'est légèrement plus simple. Ça va plus vite à rédiger. Parce que de l'autre côté, il faudra faire juste un changement de variable dans l'intégrale. Pour dire que notre équivalent, est... c'est... Enfin, ça permet de faire tous les calculs. C'est juste ça, l'autre méthode. Oui, Yessine. Du coup, si on prend alpha égale 2... critères de comparaison, c'est divers. Voilà. Alors maintenant, c'est ce que j'allais dire, je vais le faire un peu plus détaillé, mais si je prends alpha égale 2, j'ai que l'intégrale en 1, que ma fonction est plus grande que l'intégrale de Riemann avec le paramètre 2, qui est dans le cas ici de divergence, donc mon intégrale divergent 1. Donc l'intégrale globale sur 0,1 est divergente. Allons-y. Donc concluons là-dessus. Je vais redétailler un petit peu plus, mais comme ici, on a donné le bon résultat, je vais l'écrire et après je vais faire un petit dessin si vous avez le moindre doute là-dessus. Donc, pour alpha égale 2, on a 1 sur 1 moins t carré, qui est un petit o de f. Ah, j'écris vraiment, je n'arrive pas à faire mes parenthèses et mes valeurs absolues. Est un petit o de f de t carré avec l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t carré qui diverge. Donc, l'intégrale... Alors, j'ai mis 0 à 1. J'en ai pas encore parlé. On a déjà fait l'étude en 0, donc si on fait l'étude en 1, j'ai dû couper quelque part. J'avais coupé en 1/2. Donc, autant écrire directement... ceci, donc cette intégrale-là de f de t dt diverge. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt diverge. Alors, en gros, ce qu'a fait Yessine, ce que vous devez faire, il me faudrait deux couleurs, j'ai du bleu. Pour aller voler dans les réserves secrètes. Mince. Elle les a fait voler ou elle, ou elle me les a cachés? Rouge, c'est du rouge, ça ira. Alors, en gros... si je dois vous faire une explication plus... Alors, c'est plus compliqué, mais c'est ce qu'il faut faire à chaque fois, globalement, pour savoir ce que vous devez utiliser. Si vous utilisez votre cours, vous pouvez me faire un axe d'alpha et me donner une valeur pour laquelle vous savez que ça converge et que ça diverge. Ou ça diverge. Donc, typiquement, si je fais ça, la séparation, elle se fait au niveau de 1 en alpha. Et on sait, par exemple, je vais l'écrire comme ça, que ici, ça converge. Et que là où j'ai pas mis d'assure, ça diverge. Ça, c'est votre cours. Ensuite, vous avez votre critère général. Votre critère général, la seule chose que je veux que vous compreniez, c'est si vous, c'est ce qu'on a dit au tout début du chapitre quand je faisais mes dessins. Dire qu'une quantité est plus petite que celle de référence, ça ne sert que si celle de référence converge.
Dire qu'une quantité de référence est plus petite que votre fonction, ça, ça ne sert que si ça diverge. Donc ce que vous avez dans votre exo, pour moi, c'est, on a un cas ici en 2, alors je vais faire la séparation en 2 strictement comme ça, si on est strictement plus grand que 2, alors, je vais faire de la même façon, non, inférieur égal, je vais plutôt le faire dans l'autre sens, excusez-moi. Donc je vais mettre 2 ici, et si je suis strictement plus grand que 2, ce que j'ai le droit de trouver ici, c'est de la convergence. Et là, du coup, forcément, dans l'autre sens, c'est de la divergence. Et en gros, le alpha que vous devez m'utiliser, c'est celui où vous êtes dans la partie commune des deux dessins. Donc en gros, ici, vous pouviez utiliser n'importe quel alpha entre 1 et 2 pour conclure. Et ça permettait de conclure au fait que c'était divergent. Mais donc vous devez me préciser que vous utilisez le résultat pour alpha appartenant à 1, 2. Enfin, alpha vaut 2 ou alpha vaut 1. Oui. Mais là, on est sur une valeur absolue, donc on a montré que ça diverge absolument, mais diverge absolument, ça n'implique pas diverger. Je suis d'accord avec toi, mais on est passé en valeur absolue pour pouvoir appliquer nos critères d'intégrale positive. Sauf que notre intégrale, est-ce qu'elle change de signe? Non, elle est tout le temps négative. Donc là on pourrait écrire que l'intégrale de la valeur absolue, c'est moins l'intégrale. Ok? Ah! Et comme ça, il n'y a aucun souci. Enfin, je suis d'accord avec toi que j'ai pas été parfaitement là-dessus. On est passé en valeur absolue parce que c'était pas à terme positif. Mais puisque c'est moins l'intégrale, bah, la valeur absolue, enfin, la convergence absolue ici est équivalente à la convergence. S'il y avait des compensations, ce serait pas le cas du tout. Ça, c'était une méthode. Je vais en écrire une deuxième à partir toujours de notre équivalent de référence ici. C'est-à-dire qu'il y a deux idées. Soit une fois que vous avez votre équivalence, vous re-ramenez votre variable là où vous étiez. Donc si vous étiez en 1, en 2, en 7, vous vous comparez à une intégrale de Riemann en 1, en 2, en 7. L'autre idée, c'est vous vous dites, je me compare en 0 parce que je comprends bien ce qui se passe en 0. Mais dans ce cas-là, si vous voulez me l'expliquer, il n'y a pas le choix. Il faut rajouter une surcouche qui est faire un changement de variable dans l'intégrale pour que l'intégrale, votre problème qui était en 1, devienne un problème en 0. Et dans ce cas-là, vous conservez parfaitement cet équivalent-là du début à la fin. Donc c'est ce que je vais faire. Je repars donc de ceci. Ah, et donc je vais dire, on va mettre autre méthode. On va la modifier en posant un chemin de variable affine. Et de même nature, alors il faut compléter, hein, en posant bah, on a dit composer quoi? On a dit composer t qui était égal à 1 moins h. C'est ça le changement de variable qu'on a fait pour notre DL, donc c'est ça le changement de variable qu'on va faire dans l'intégrale. Donc c'est un changement de variable affine, donc C1 est strictement monotone. Je pense que pour un changement de variable affine, vous n'avez vraiment pas besoin de justifier que c'est le cas. Comme je suis en train de corriger mes copies en ce moment, que je le vois écrit par les candidats qui font leur changement de variable affine, faites-le. Mais j'en avais pas besoin. Voilà. Donc allons-y. Si on fait ce changement de variable-là, qu'est-ce qui va changer? Les bornes. La borne qui valait 1,5. Donc je vais réécrire ici. Celle-là, elle n'est pas impropre, donc si t vaut 1,5, ça implique que h qui vaut 1 moins t vaut 1,5. Si maintenant t tend vers 1,
Ça, ça implique que h qui vaut 1 moins t tend vers 0. C'est le principe quand même, sinon on est un peu gêné. C'est-à-dire que l'intégrale devient une intégrale de 1 demi à 0. J'ai déjà ça là-haut. Et il faut que je continue. Mon intégrale. Mon changement de vitesse. J'ai t qui vaut 1 moins h, oui. Donc je vais avoir dt qui va valoir moins dh. Donc maintenant ça va être assez simple. Et la seule chose, alors j'avais fait le calcul tout à l'heure, je pourrais l'écrire, mais j'avais écrit directement que ça faisait. Quand j'avais fait mon changement, je l'avais écrit directement. Donc cette quantité-là, c'était du ln de 2h moins h carré sur racine de 1 moins h, ln de 1 moins h au carré. Et donc du coup, j'ai du moins dh. Donc maintenant que vous avez fait, vous avez compris votre équivalent, vous dites que l'intégrale d'avant a la même nature que cette intégrale-là. Donc, qui est égal tout simplement à l'intégrale de 0 à 1i si je m'utilise le moins dh qui est là de celle-ci. Je rappelle juste qu'on avait trouvé l'équivalent. Donc l'équivalent qu'on avait, c'était du moins lnh sur 1 h carré. Et maintenant, je vais me comparer à une intégrale de Riemann en 0 pour essayer de conclure à la convergence ou à la divergence de cette intégrale-là. Pardon, c'est encore une fois la valeur absolue ici, si j'ai le moins qui apparaît. Du coup, pour faire l'équivalent en 0 de cette quantité-là, je vais me recomparer à une intégrale de Riemann. Comme je vous ai fait avant la méthode avec le alpha général, ici je vais plutôt partir de mon autre réflexe. Je me rends compte que ça va vite vers plus l'infini. Donc si ça va vite vers plus l'infini, je vais plutôt essayer de prouver que ça diverge. Si j'essaye de prouver que ça diverge, je vais plutôt essayer de me comparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fonction 1 sur t. Allons-y. Je vais directement me comparer à la fonction 1 sur t. Je vais aller dire que ceci divisé par... Alors oui, j'ai dit 1 sur t, mais on est en la variable h. Donc c'est à la fonction 1 sur h que je vais me comparer. Ceci, ça fait du moins h ln h sur h carré. Ça fait du moins ln h sur h. Et moins lnh sur h, quand h tend vers 0, c'est de la forme plus l'infini sur 0 plus, avec h strictement positif, ça fait du plus l'infini. Donc, 1 sur h, notre fonction 1 sur h est négligeable devant notre fonction moins lnh sur h carré. Et l'intégrale de 0, alors on peut mettre à 1,5 ou vous pouvez mettre 1, c'est la même chose, c'est pas ça qui va nous intéresser. Mais j'écris mon résultat d'intégrale de Riemann, alors je l'écris pas en t, parce que ma variable s'appelle h. Et l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur h dh diverge, Riemann. Donc par critère de comparaison. L'intégrale de 0 à 1,5 cette intégrale là diverge. On n'a pas fini du tout parce que je viens de prouver que cette intégrale là diverge.
maintenant, par critère d'équivalence, cette intégrale là diverge. Et maintenant, par changement de variable, cette intégrale là diverge. Donc, par critère d'équivalence, et je râle à chaque fois, et là bien sûr je ne l'ai pas écrit, par critère de comparaison sur les intégrales de fonctions positives. Donc, par critère de comparaison sur les intégrales de fonctions positives. Alors, je vais préciser ici. D'équivalence. Ici, c'est l'intégrale de 0 à 1,5 de ln de 2h moins h carré sur racine de 1 moins h. Ln de 1 moins h au carré dh qui diverge. Donc, l'intégrale de 1,5 à 1 de f de t dt diverge. Parce qu'on a dit déjà que les deux changements de variable étaient de même nature. Donc deux stratégies complètement différentes pour prouver qu'une intégrale en 1 diverge ou converge. Soit vous faites vos intégrales de Riemann, mais celles en t-a puissance alpha. C'est-à-dire il faut utiliser le résultat général de cours, c'est pour ça qu'on l'a en plus. Ou alors, deuxième stratégie, vous faites toujours votre changement de variable pour vos développements limités. De toute façon, vous en aurez besoin si c'est compliqué comme équivalent. Et du coup, en plus de faire le changement de variable, en fait, même avant même de faire l'équivalent, au moment où vous dites que vous allez devoir faire un changement de variable, vous faites votre changement de variable dans l'intégrale, vous dites qu'elles sont de même nature, et comme ça, vous raisonnez avec la nouvelle intégrale sur, en zéro. Et vous vous ramenez toujours à utiliser Riemann en zéro. À vous de voir ce que vous préférez, il y a les deux méthodes qui peuvent marcher. Avec ça, on a vu toutes les idées et tous les concepts de convergence. On en refera peut-être d'ici la fin de l'heure si on a un peu de temps. Mais je veux finir par... je veux finir sur les intégrales de référence que je veux vous donner. Et faire de aussi plein d'autres exemples. À mon avis, là pour cette semaine, j'aurais plus le temps de vous faire des exemples de convergence. Alors, la première chose, c'est on a la même chose que dans notre cours de série maintenant. On a les mêmes résultats de convergence, la convergence absolue, ce genre de choses. On avait un autre pan qui est tout aussi développé pour les intégrales impropres pour les séries, qui était pour les séries le calcul de somme, avec en nouvelle somme la série géométrique dérivée, la série géométrique dérivée seconde et la série de l'exponentielle. Ici, on n'en a pas de nouvelles intégrales de référence proprement parlées en intégrale impropre si je ne fais pas les densités. C'est-à-dire que là, alors qu'on va, c'est notre prochain chapitre et qu'on le fait d'ici en gros une grosse semaine, on va parler de densité, mais il y a plein d'exemples d'intégrales impropres qui utilisent juste les valeurs des intégrales de référence à densité pour faire des calculs, notamment une qui est celle liée à la loi normale. Et alors après, d'autres qui sont liés d'habitude ce que j'appelle à la loi exponentielle, mais là, cette année, j'ai envie de généraliser et de faire juste un seul apprentissage. On va dire que c'est lié à ce qu'on appelle la fonction gamma. Donc, je vais vous donner pendant une semaine des intégrales, des nouvelles intégrales de référence, exactement comme vous avez dû apprendre votre série géométrique ou série de l'exponentielle, en vous disant que ça vient d'un résultat de proba. Sauf pour la fonction gamma, mais pour la fonction normale, ça vient d'un résultat de proba continu. Et on admet la valeur et on fait des calculs à partir de ça. Alors, ce que je veux que vous appreniez, donc, c'est ces deux résultats-là. Le deuxième, il faut qu'on le fasse en exercice, parce que c'est du cours de deuxième année, mais c'est un exercice en première année. Mais la première, c'est juste, il faut admettre sa valeur, parce que c'est tellement pratique dans plein de sujets qu'il faut pouvoir s'en servir. Et on va faire des calculs là-dessus à partir de ça. Thank you.
Alors, je vais mettre intégrale de référence. Alors, la première, je veux que vous appreniez que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins t carré sur 2 dt ça fait racine de 2π. Et quand vous allez vous en servir, si vous devez vous en servir, je vous demande quand vous l'utilisez de donner un argument un peu. Vous n'êtes pas obligé quand vous utilisez la dérivée de la série géométrique de dire c'est la dérivée de la série géométrique vu que c'est dans le cours. Par contre ça, en fait, dans votre cours, ce ne sera pas une intégrale qui vaut racine de 2π. Ce sera dire que 1 sur 2π, la fonction qui est là-bas, a une intégrale qui vaut 1. Donc, ce que j'arrête pas de vous dire depuis le début du chapitre, c'est une probabilité. Donc, on va apprendre l'argument qu'il faudra utiliser chaque fois qu'on sert de cette valeur d'intégrale. C'est là où vous devez apprendre un truc par cœur sans comprendre ce que dire. Par densité de la loi normale. D'après la densité de la loi N01. Alors, la loi normale, vous avez dû en parler un tout petit peu, normalement, quand vous avez fait des trucs avec la loi binomiale et les intervalles de... Comment ils appellent ? Les intervalles de fluctuation ? Non. Ouais. Ouais, l'épreuve, elle était encore en mars, ouais. Ouais. C'est officiellement au programme, mais c'est pas très grave. Enfin, de l'aspect, hein. Pas de Matron Blanc 20, mais de l'aspect. C'est la loi la plus importante des probas continues. Pendant 2 semaines, vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire, mais dans 2 semaines, on saura ça. Il faudra l'apprendre par cœur de toute façon, et l'argument va paraître, va pas vous choquer. La deuxième, un peu plus lourd, il faut que je vous explique tout le concept, et l'exo, on n'aura peut-être pas le temps de le faire cette semaine, ou alors je le fais demain avant d'attaquer tout le reste que je veux faire. Mais après, ce serait le seul truc qu'on fait demain. C'est la fonction gamma. Alors, je veux juste, pour le moment déjà, que vous appreniez la valeur. C'est que pour tout n appartenant à n étoiles, gamma de n, ça fait n moins 1 factoriel. C'est la valeur que je veux que vous appreniez pour gamma. Et il faut l'apprendre avec gamma de x, parce qu'en fait, ça existe ailleurs que pour les entiers. C'est juste que il faut qu'on fasse l'exercice, mais ça existe dès que x est strictement positif. Ça, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance x moins 1 exponentiellement t dt. Alors j'en ai mis une troisième dans le poly, celle-là, cette année, je pense pas vous m'en servir, parce que je peux la retrouver grâce à la fonction gamma, si je vous donne la fonction gamma. Mais dans le poly, vous avez aussi mis ça, et puis celle-là, c'est celle qu'on retrouve la plus vite si vous l'avez oubliée. Ça prend 2 minutes de primitive pour la retrouver. Je mets quand même la troisième, pour tout lambda strictement positif. Je peux même faire le calcul direct. Cette intégrale-là, est-ce qu'on est tous d'accord que c'est la limite quand a tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à a de exponentielle moins lambda t dt? Comment on primitive exponentielle moins lambda t? Pierre? Ouais, enfin, ça va faire donc exponentielle moins lambda t sur moins lambda. Je vous épargne les calculs, mais si vous calculez ça, en gros, ça fait du 1 sur lambda. Donc l'intégrale de exponentielle moins lambda t dt, ça fait 1 sur lambda. Donc lambda exponentielle moins lambda t, c'est une densité de probabilité. Parce que l'intégrale fait 1.
Ah, ok. Donc j'ai besoin de ce point de cours-là, oui. Pour l'intégrale d'exponentielle moins t carré sur 2, quand on a du exponentielle moins t carré, par exemple, comment on fait ? On fait un changement de variable. Alors, quand on aura fait vraiment le cours sur les... sur les variables à densité, on verra qu'il existe d'autres choses que la loi N01. On fera la loi N mu sigma 2, et en jouant sur mu et sigma 2, on peut la trouver directement si c'était en t carré, par exemple. Mais en général, vous avez plus de mal à le voir comme ça, et vous avez plus de mal à vous rappeler de la densité de la loi N mu sigma 2, que d'apprendre celle-là et de faire un petit changement de variable affine que vous saurez faire assez logiquement. Et ce changement de variable affine qui a beaucoup d'intérêt aussi vis-à-vis de cette intégrale-là, c'est-à-dire ça doit aussi vous apprendre à faire des règles pour faire des changements affines. Ok. Donc je veux qu'on apprenne ça, et je vais tout de suite aussi parler d'un résultat qui est officiellement pas au programme. J'ai relu le programme pour voir s'il y avait le résultat écrit. J'aurais dû le rajouter dans le poly, je ne l'ai pas fait, donc on va l'écrire ensemble. Mais c'est trop pratique, c'est la version généralisée de ce qu'on a dit sur les fonctions impaires et paires pour les intégrales finies. Ce qu'on a reparlé un peu mardi après-midi, c'est que si une fonction est impaire, l'intégrale de moins a à a vaut 0, et si elle est paire, l'intégrale de moins a à a vaut 2 fois l'intégrale de 0 à a. Ce raisonnement-là, on peut le généraliser au concept des intégrales impropres, et dans ce que je corrige cette année, c'est extrêmement utile, et ceux qui le font, ça passe, en le lisant, je vous le dis, ça passe comme une lettre à la poste, on les croit sur parole, et ça avance, et ça permet de gagner un temps fou dans la rédaction des choses. Donc, vous m'apprenez ce petit raisonnement-là, et faut le savoir. La première heure, ou c'est la deuxième ? Ouf, je suis plus le cul. Ah non, je veux dire, si j'ai même pas le temps de faire le moindre calcul d'intégrale comme ça, on est... Je sais jamais quand je vous parle de votre DS, sinon. Ah, propriété. F est une fonction paire, alors je vais préciser, sur R. Il ne faut pas qu'il y ait de trou vu qu'on veut parler d'intégrale impropre, sur R. Comment on généralise le principe de l'intégrale de moins a à a? Ça fait deux fois l'intégrale de 0 à a. Ben, ce qu'on va pouvoir dire, c'est ce principe-là. Et vraiment, soit F une fonction paire sur R, alors... L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt est de même nature, donc divergente ou convergente, que l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt. Ce que je suis en train de dire, c'est que ces trois intégrales ont forcément la même nature. Si l'une converge, les deux autres convergent forcément. Et en cas de convergence, l'intégrale de moins l'infini, je peux expliquer en quel sens, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt, ben ça fait deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt. Je n'ai jamais vu de situation où vous avez envie de l'écrire par rapport à moins l'infini 0. C'est toujours par rapport à 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire, ça? Bah, notamment quand vous allez avoir des intégrales qui vont de moins l'infini à plus l'infini, bah, ça va permettre de ne pas aller regarder où elles sont impropres deux fois, de dire si la fonction est paire. Donc, dans ce cas-là, je vais juste aller regarder ce qui se passe en plus l'infini. Ça divise par deux le nombre de fois où vous avez besoin de faire l'étude de la fonction impropre. Et du coup, dans les barèmes, quand on fait des trucs comme ça, imaginons, je vous ai dit, à chaque fois, faire vérifier que quelque chose est impropre, c'est souvent 3 ou 4 points, selon qu'on doit passer en valeur absolue ou pas. Soyons clairs, dans les barèmes, si elle est paire ou impaire et qu'il y a deux fois le problème, on rajoute juste un point pour parler d'imparité et dire que l'autre problème se passe de la même façon.
Donc il n'y aura pas le double de points pour faire deux fois l'étude impropre. Donc il n'y a pas le double de points pour faire un truc très long. Donc il faut aller vite. Ah, maintenant, soit f une fonction impaire sur R. Alors mes trois intégrales sont de même nature. Mes trois intégrales sont encore de la même nature, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, qu'est-ce qu'on peut en déduire en termes de valeur? Là, c'est autre chose. Yacine ? Si je converge l'intégrale de moins infini à plus infini, il y a 0. Oui, et on ne connaît pas la valeur de l'intégrale de 0 à plus l'infini. C'est un autre calcul qu'il faut mener. Là, il faut savoir primitiver. La seule chose qu'on peut en déduire, c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini fait 0. Et en cas de convergence, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt fait 0. C'est ce qu'on a parlé mardi après-midi où je vous ai montré un exemple d'intégrale qui était divergente. Et je vous avais dit attention, si vous faites le calcul de moins a à a et que vous faites tendre a vers plus l'infini, ça fait 0. On pourrait croire que l'intégrale existe et vaut 0, mais il ne faut pas prendre de moins a à a, il faut prendre des limites avec a et b, deux variables différentes. Donc il faut qu'on ait la convergence pour avoir l'intégrale qui est nulle. Par contre, s'il y a convergence, l'intégrale sera clairement nulle. Avec ça, on a fini 100% des propriétés du chapitre. On doit tout savoir faire. Et on va voir comment notamment je veux, la première chose, se servir de cette intégrale de la loi normale. Alors, on ne va clairement pas vous demander de calculer ce genre de choses. Ce qui va nous intéresser, c'est d'autres choses. Typiquement, un calcul classique que je fais chaque année, c'est celui-là. Parce qu'il sert dans... Il y a un très bon sujet d'intégrale qu'on va faire, tiens d'ailleurs, après. Même pas d'intégrale impropre, des intégrales, des suites d'intégrales, tout ce qu'il y a de plus bête. Et étrangement dans ce sujet, il faut intervenir la loi normale pour arriver à montrer le fait que la suite converge. Et donc la question qui m'intéresse le plus, qui sera une question de bourse, parce que c'est trop classique, trop important, il faut savoir calculer ça. Calculer. On va avoir beaucoup de choses à dire. Alors je vais vous réécrire en dessous. Soyons clairs, on vous demande de calculer une intégrale impropre. Deux choix. Maintenant. Avant, il n'y en avait pas. Maintenant, il y a deux choix. Soit vous savez primitiver la fonction sur l'intégrale. Vous revenez à l'intégrale à des bornes finies. Vous primitivez, vous faites la limite quand votre variable a, par exemple, ici, tend vers plus l'infini, comme je l'ai fait là-haut. Ou alors, vous ne savez pas primitiver ça, c'est que c'est lié à une de vos intégrales de référence. Donc en gros, pour moi, la loi normale ou la fonction gamma. La loi normale, je vous ai écrit ça. La fonction gamma, excusez-moi, je vous ai écrit ça. La loi normale, je vous ai écrit ça. D'après vous, et là c'est pour essayer de vous faire comprendre un concept important d'intégrale impropre, à laquelle des deux on doit se référer? La loi normale ou la fonction gamma? Je vous laisse réfléchir 10-15 secondes et après je vous demande à main levée qui pense quoi. Entre les deux, pour calculer mon intégrale là-haut, vaut mieux que je me base sur ma fonction gamma en bas. Alors je pourrais même écrire avec du n en bas si ça vous gêne, la fonction gamma, on sait la calculer sur les entiers. Je peux même écrire ça si ça vous aide. Mais d'après vous, est-ce qu'il vaut mieux se baser sur la fonction gamma ou sur la loi normale? Vous avez pris une décision, ça va? Est-ce que vous tenteriez en premier? Parce qu'ici, soyons clairs. Alors, j'ai pas fait une remarque. Maintenant, je vais la faire. Il est strictement impossible de primitiver ça. Pour primitiver ça, il faudrait que ce soit une forme de référence. Et cette forme de référence, il manque du 2t devant. Donc on ne peut pas primitiver ça. On ne sait pas primitiver ça. Alors, qui pense que ça se calcule par rapport à la fonction gamma? 1, 2, 3, 4, 5,
6. Ok. Qui pense que ça va se calculer par rapport à la loi normale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plein. Vous avez raison. Ceux qui sont basés sur la fonction gamma. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette petite propriété-là. Pourquoi vous avez pensé à la fonction gamma? Je l'ai toujours. À cause des bornes. Parce que ça va de 0 à plus l'infini. Et que vous vous êtes dit 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, ça a l'air bien quand même. À cause des propriétés qui sont ici, on s'en fiche royalement des bornes. Ce qui compte vraiment, c'est uniquement ça. Ce qui compte pour choisir. La seule chose qui compte pour choisir, c'est le degré du polynôme dans l'exponentielle. Si je vous donne un polynôme de degré 2, ça se calcule forcément par la loi normale. Si je vous donne un polynôme de degré 1, ça se calcule forcément par la fonction gamma. Et si ça diverge, bah on vous demandera pas de le calculer, on vous demandera de prouver la divergence ou d'étudier la nature. Oui, Raphaël. Est-ce que quand on a une forme d'intégrale en e de moins alpha t carré, est-ce que ça se généralise avec un alpha de e de moins t carré? Oui, bah là on va le faire pour n un entier naturel, mais enfin du moment qu'on a n'importe quel, du moment que je te mets n'importe quel nombre positif, je peux te la calculer. Pardon? Ça va être lié à des choses comme ça. Oui. On peut le faire. Tiens, on va changer. Calculons ça pour n'importe quel alpha strictement positif, mais c'est pareil. Enfin, voilà. Alors, maintenant qu'on a compris ça, je vais réécrire quelque chose, juste, je vais changer quelque chose, donc je peux effacer ça, ça va pas nous servir. Et je vais instantanément réécrire autre chose. Parce que le problème, ça va souvent vous arriver dans les sujets. Votre sujet va être écrit en T, vos intégrales de référence, vous allez les apprendre en T, exactement comme ça pourrait vous arriver pour une série. Le problème, c'est que pour faire le lien entre les deux ici, on va avoir besoin, comme ça peut arriver pour une série, de faire des décalages d'indices ou des choses comme ça. Ici, on va avoir besoin de faire un changement de variable pour faire le lien entre celle-ci et celle-ci. Donc, en général, il faut essayer que vous arriviez à vous écrire un résultat pour pouvoir voir ce qui doit se passer. Quel changement de variable je dois poser pour passer de l'un à l'autre? Céline? U égale 2 alpha t. 2 alpha t, je suis pas d'accord. Je sais pas comment tu as trouvé ton 2 alpha t. Et j'ai envie de dire, moi je le sais même pas à la base ce que je vais poser comme changement de variable. Mais je vais savoir, je sais comment le trouver. Yessine? U sur racine de 2 alpha t. U sur 2 racines. U sur racine de 2 alpha égale t. Je suis d'accord. Mais comment... Alors plutôt que d'essayer de le trouver test sans se tromper, comment t'as fait? J'ai résolu... Voilà. Voilà. Si votre but c'est d'essayer d'exprimer ça par rapport à ça, votre changement de variable, c'est ça qu'il faut réfléchir. Et c'est comme ça qu'on va le retrouver. Et on va résoudre l'équation à chaque fois, au brouillon en 2 minutes. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de savoir comment vous avez trouvé votre changement de variable. Mais vous, faut que vous sachiez le trouver sans vous tromper. Donc, pour pouvoir exprimer ça par rapport à ça, on va chercher à poser tel changement de variable. Alors, pour exprimer cette intégrale, par rapport à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins u carré sur 2 du, on cherche à poser ah.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? Pour obtenir une intégrale qui aura la bonne variable dans votre intégrale par rapport à celle que vous connaissez, il faut que votre changement de variable il vérifie cette relation-là. C'est ça que vous cherchez à faire. Il manque le t carré, pardon. C'était ça, Tao ? Pardon. Et du coup, alors attention, on ne vous demandera jamais de trouver par vous-même autre chose qu'un changement de variable affine. Donc ceci, ça doit être un changement de variable affine. Mais vous le cherchez comme ça. Alors maintenant, il faut juste résoudre cette équation. Alors on la résout en T ou en U, comme vous voulez. Ça dépend comment vous préférez faire votre changement de variable. En général, pour un affine, vous préférez la nouvelle en fonction de l'ancienne. Donc je partirais de celle-ci, et mon but ce serait plutôt de trouver U. On est d'accord que c'est plutôt comme ça que vous raisonneriez. Donc je vais multiplier par moins 2 pour commencer. Si je multiplie par moins 2, ça me fait U carré qui fait 2 alpha T carré. Je continue en composant par la racine. Je vais être clair, je vais rajouter. Je vous ai juste mis par moins 2 pour que vous compreniez l'opération mathématique que j'ai faite. Mais j'ai pas besoin de vous justifier ici que la racine est strictement croissante. C'est du brouillon, c'est-à-dire que j'ai pas besoin que vous m'écriviez ça sur une copie. Vous me posez le bon changement de variable, vous le faites et ça ira très très bien. Donc maintenant, je vous le fais quand même pour qu'on fasse des maths correctes. Quand on enlève une racine carrée, et donc, normalement, ça vous donne que U, ça vaut plus ou moins racine de 2 alpha t. Mais comme c'est vous qui le posez, le changement de variable, vous embêtez pas à prendre moins et rajouter des moins et vous faire des erreurs de signe. Posez U égale racine de 2 alpha t. Il n'y aura pas de moins, les bornes, ça ira mieux, enfin, tout ira mieux. Bon. On pose le changement de variable affine, U est égal à racine de 2 alpha. Ah, j'ai oublié de mettre encore une fois, excusez-moi. Comme ça, vous avez justifié la validité de votre changement de variable, même si pour un changement de variable affine, je pense que ça, il n'y a pas besoin. Donc U, ça vaut racine de 2 alpha t, ce qui fait que, pardon, quand t tend vers 0, je fais un changement de variable sur une intégrale impropre, U va tendre vers 0. Et le fait que U vaut 2 racines de alpha t, ça fait que quand t tend vers plus l'infini, U va tendre aussi vers plus l'infini. Ah. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, U vaut racine de 2 alpha t, donc du, ça vaut racine de 2 alpha dt. Alors, on va plutôt s'en servir dans l'autre sens. Donc ça, je vais l'écrire plutôt dt qui vaut du sur racine de 2 alpha. Et maintenant, le changement de corps, soyons clairs, il a été fait pour que ça marche. Donc il n'y a même pas à réfléchir, le changement de corps. On a posé U qui vaut ça pour que moins alpha t carré, ça fasse moins U carré sur 2. Donc là, on peut l'éclairer. Donc, je vais juste
rajouter quelque chose pour pas avoir à faire la phrase sont de même nature et en cas de convergence sont égales. Je vais calculer ça, on admet sa convergence. C'est juste pour qu'on n'ait pas la moindre souci. Ce qui m'intéresse, c'est le calcul, c'est pas de justifier autre chose. Donc maintenant, cette intégrale-là, excusez-moi, c'est la même chose que l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins u carré sur 2, et je me retrouve avec du du sur racine de alpha. Ok, j'ai pas fini. Celle-ci, je connais pas sa valeur. Celle que j'ai mis comme intégrale de référence, justement, c'est ce qui vous a perturbé pour ceux qui sont trompés, c'est que les bornes, elles vont de moins l'infini à plus l'infini. Comment on fait ? Yacine ? La fonction intérieure, elle est paire. Oui. Donc l'intégrale-là, elle est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, 10 par 2. Voilà, on l'a écrit en disant que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. Ce résultat-là peut aussi s'écrire l'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est 1 demi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc c'est exactement ça qu'on va dire. Or, g de u qui vaut moins u carré sur 2 est pair. Alors comme je râle sur mes copies en ce moment, je vais râler aussi sur vous. Ça m'énerve, ça dépend des questions, mais s'il y a des points dans le barème, je veux absolument voir. Alors pour un truc comme ça au milieu d'un calcul, il y en a qui font du zèle. Vous pouvez me dire que R est centré en 0, c'est beau. Mais ça c'est plutôt pour les vraies questions qui demandent de prouver qu'une fonction est paire. C'est là où quand il y a la question montrer que la fonction est paire, on va attendre que l'intervalle est centré en 0. Là au milieu d'une question, la seule chose qu'on veut être sûr, c'est que vous ne nous arnaquiez pas sur ce que veut dire fonction paire. Donc juste en écrivant la définition noir sur blanc, on vous croit sur parole. Enfin, c'est juste qu'on n'a pas envie de voir quelqu'un qui écrit fonction paire sans savoir la définition. Ça ne m'est pas arrivé cette année, mais si j'y pense. Imaginons que quelqu'un m'utilise ça, je dis allez, ça passe, et que dans un autre exo plus loin, il faut prouver qu'une fonction est paire. Et que là, il passe la question. Je fais... Il y a peut-être je remonte plus haut et je vois ce qui s'est passé là. Oui, Tao. Quelles sont les deux variables U et T. Donc ce changement-là, c'est comme dériver la fonction U de T qui vaut racine de 2 alpha T. T'es d'accord? Ceci est une fonction de T. Donc là-dedans, pour une fonction de T, le racine de 2 alpha, c'est une constante. T'es d'accord? Donc U prime de T, est-ce que t'es d'accord que c'est racine de 2 alpha? Donc DU sur DT... C'est racine de 2 alpha. Ok ? Mince, j'ai écrit dans le truc que je ne devais pas effacer. Bon, c'est pas grave. Ok. Cette intégrale-là est paire, donc ceci, ça fait 1 sur racine de 2 alpha fois 1 demi de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Au final, ça fait du racine de pi sur 4 alpha. Oui, Eden. J'ai une question. Pourquoi vous avez posé g de u qui est égal à moins u carré sur 2 alors que. Et pourquoi pas exponentielle de moins u carré sur 2 Mais exponentielle. Pourquoi j'ai écrit ça
Merci Eden, oui, non, ça n'a aucun sens. C'est la fonction sur l'intégrale que je veux qu'elle soit paire. À vouloir aller vite, j'ai pris moins t carré sur. Non, c'est exponentiel moins t carré sur. Non. Ces calculs-là sont classiques. Je vous en reparlerai demain, mais dans le TD que je vous ai mis à travailler vous-même pour lundi, il y a mon exo préféré d'intégrale impropre, qui est... ouais, j'ai un exo préféré. C'est le M Lyon en 2016. Non, mais c'est un problème sur une fonction qui est définie par une intégrale impropre. Et dans ce problème, je pense qu'il y a tous les types de questions qu'on peut se poser au monde sur les intégrales impropres. C'est-à-dire que maîtriser ce problème, pour moi, c'est à peu près maîtriser tous les types de raisonnements sur les intégrales impropres. Il est technique, il y a des calculs compliqués par moment, mais il y a tout dedans. Par exemple, donc c'est un exo 100% d'intégrale impropre, le mot proba n'arrive jamais dedans, et à un moment, pour encadrer une intégrale impropre, ils font apparaître une intégrale de ce type-là, et ils vous demandent quelle est sa valeur. Alors voilà, c'est... Et donc, il faut pratiquer ce raisonnement-là dans des sujets complètement déconnectés des probas et d'intégrales impropres. C'est pour ça que je veux que vous maîtrisiez ces deux quantités, la fonction gamma et l'intégrale de la loi normale, au niveau du chapitre intégrale impropre, pour avoir en tête que ce sont des choses qu'il faut utiliser en calcul d'intégrale impropre. Faisons un autre calcul, et servons-nous de l'autre directement, mais pour voir à quoi ça sert. Encore une fois, on admet la convergence. On va calculer le moment d'ordre n d'une loi exponentielle de paramètres lambda. Ah bon, on peut même développer deux stratégies différentes pour ça, j'y avais pas pensé. On admet la convergence pour tout n appartenant à. On peut adopter deux stratégies différentes. Est-ce que c'est une forme de référence? Non. Vous pouvez pas me primitiver ça. Par contre, et ça a du sens parce qu'on n'en a pas encore fait une seule et je veux en faire, donc j'aimerais bien encore avoir du temps pour faire des exos derrière. Si j'admets la convergence, ça je peux voir ça comme une intégrale IN et voir ça comme une suite d'intégrales. Si je vois ça comme une suite, comment est-ce que je pourrais essayer de la calculer pour tout N appartenant à grand N? Yessine? Faire une IPP? Ouais, pour essayer de trouver un lien de génération sur la suite. Donc ça, c'est une des versions, je viens d'y penser à l'instant, c'était pas forcément le résultat de base que je voulais faire, mais on peut essayer de faire ça en trouvant une relation de récurrence sur la suite. Je vais mettre ça, méthode 1. Et ça va me permettre de faire quelque chose de super important que j'avais pas encore fait, donc c'est très très bien. Comment je fais mon IPP? J'écris quoi? J'écris ça? Et je fais une IPP là-dessus? Raphaël? Je vous ai donné dans ce chapitre aucun résultat d'intégration par partie. On est obligé pour faire une IPP de revenir à des bornes finies, parce que je ne vous ai pas parlé de... Il existe un résultat d'IPP à bornes infinies qui n'est pas au programme, et il est nullissime, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'en servir,
Parce que pour avoir le droit de faire l'IPP, il faut d'abord justifier de la convergence aussi de la nouvelle intégrale qu'on écrit. Donc ça fait perdre un temps incroyable que d'écrire ce théorème, parce qu'il faudrait prouver la convergence de la nouvelle intégrale pour avoir le droit de le faire avec des points finis. Et en plus, arriver aussi à prouver que le crochet tend vers zéro, au lieu de le faire en A, avec une borne A quelconque, et ensuite de faire tendre A vers plus l'infini. Donc toutes les IPP se font sur des... Enfin, sur des intégrales définies et non pas sur des intégrales impropres. Alors je vais appeler ça INA, je vais appeler ça INA, l'intégrale de 0 à A de ceci. Je ne l'ai pas dit ici en mettant qu'elle était convergente, mais soyons clairs, c'est un polynôme et une exponentielle, c'est continu sur R, donc cette intégrale est seulement impropre en plus l'infini, il n'y a pas de problème en zéro. Donc allons-y, on va faire ça. Donc maintenant, alors, je veux faire une relation de récurrence. Si je veux faire une relation de récurrence, je vais peut-être plutôt partir du rang d'après. Qu'est-ce que vous faites sur une telle intégrale comme IPP? On l'a déjà, j'ai déjà dit. Il y a une exponentielle, un polynôme. Qu'est-ce qu'on fait, Esther? Toujours, on essaye de baisser les degrés des polynômes et donc forcément, a fortiori, on primitive l'exponentielle. Du coup, ceci, je le dérive et ceci, je le primitive. Donc, je vais aller poser U' de t qui vaut exponentielle moins lambda t, V de t. Pardon. V' de t qui fait ça. Je ne vais pas m'embêter à mettre sur 0a, je vais mettre chez C1 sur R au carré directement, parce que après je vais faire varier a de toute façon. Donc, enfin, un peu le plus, un peu le moins. Et maintenant, ceci, ça fait donc le crochet des deux fonctions. Moins l'intégrale des deux fonctions que j'ai calculées. Je n'ai pas écrit, mais pour que cette intégrale soit convergente, on admet la convergence. Il faut que lambda soit strictement positif. Je vais jouer là, donc il me le faut absolument. Et ça en 0, ça fait 0. Là, je peux sortir toutes les constantes multiplicatives, ça fait ceci. Ceci quand a tend vers plus l'infini. Ici tend vers 0. Ouais. Ça tend bien vers 0 par croissance comparée parce que l'exponentielle va vers 0, parce que le lambda est strictement positif. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Mais ceci tend vers 0. Donc par passage à la limite. Par définition d'une intégrale convergente, INA, quand A tend vers plus l'infini, ça tend vers IN, l'intégrale qui va 0 à plus l'infini. Donc j'ai clairement que IN plus 1
Ça fait n plus 1 sur lambda in. J'ai ma relation de récurrence. Alors, maintenant, petit problème, cette relation de récurrence, c'est pas ce que j'appelle une relation de récurrence simple. On a in plus 1 proportionnel à in, mais le lien de proportionnalité, c'est pas une loi géométrique, c'est pas un facteur constant Q. Alors par contre, on va quand même pouvoir la calculer. Oui, ici. On fait un cas pair, un cas impair, et on fait un produit télescopique. Pourquoi tu aurais besoin du cas pair et du cas impair? C'est par réflexe sur Wallis? Non. C'est pas réflexe sur Wallis? Oui, c'est ça. Ok. Non, voilà. Ouais, non, mais voilà. Oui. Sur Wallis, on est obligé de faire une séparation paire-impair et de faire un produit télescopique parce que la relation, elle est entre IN plus 2 et IN. Et si on avait un lien entre IN plus 2 et IN, complètement. Parce que si on a un lien entre IN plus 2 et IN, on crée clairement une suite des paires et une suite des impairs, vu qu'elles sont. Toutes les paires sont liées entre elles et toutes les impairs sont liées entre elles. Mais ici, la suite est liée au prochain terme, on fait directement un produit télescopique. Non, mais ça m'a perturbé aussi de faire des choses. C'est moi qui l'aime. Ouais, c'est toi. Ça marche. Je vais faire c'est moi. Alors ça fait un moment qu'on n'a pas fait un produit télescopique, on va le refaire. Notre but c'est de calculer IN. Donc mon but c'est qu'à gauche, ça fasse IN divisé par quelque chose. Alors divisé par quelque chose, il me faudrait une donnée. Comme la convergence de cette suite c'est pour tout N appartenant à grand N, dans un sujet classique, la donnée que vous auriez dû calculer et qu'on recalculera, mais c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure, ce serait I0. Maintenant que vous savez, vous avez fait la connaissance que vous voulez calculer ça, quelles sont les bornes en K que je dois mettre si je l'écris en IK plus 1 sur IK? Esther? Oui, c'est exactement ça. L'indice le plus bas, c'est K, je le veux en 0 pour obtenir du 0 ici. Et l'indice du haut, c'est K plus 1. Pour obtenir du N là, je veux mettre ici du N moins 1. Maintenant, je dois calculer ce produit. Oui, c'est vrai. Oui. Ah, c'est juste que c'est mal écrit. Okay. Il est parfaitement bien écrit ce yen sur I0. Alors là, vous pouvez aller aussi vite que vous voulez, hein, du moment que vous m'avez écrit les bornes correctement, je vous crois si vous me faites le calcul correct. En bas, le produit des lambda de 0 à n-1. Piscine ? Lambda puissance 1. Ouais, alors je vais l'écrire lambda puissance n-1 moins 0 plus 1 pour juste dire c'est lambda puissance le nombre de termes. Mais c'est lambda, vous m'écrivez lambda puissance n direct, je vous crois sur parole. En haut, alors on peut faire le décalage d'indice si vous voulez, je vais l'écrire. Je vais poser J qui vaut K plus 1. Ça fait le produit pour J égale 1 à N des J. Mais là, il n'y a plus. Hein. Enfin, il faut le voir. Le produit des J pour J égale 1 à N. C'est clair ? Non ? Hélène ? Oui, c'est N.
I0, c'est cette intégrale-là, c'est celle que je vous ai calculée tout à l'heure en vous disant que ça faisait du 1 sur lambda. Donc je repère pas 2-3 minutes à la calculer, mais celle-ci, elle fait 1 sur lambda, je vous l'ai calculée tout à l'heure. Alors, il y a des sujets qui vous emmènent sur cette piste-là. Clairement, pour calculer ça, il y a des sujets qui vous emmènent sur cette piste-là. Trouver la relation de récurrence, en déduire la forme qui est là. C'est-à-dire deux questions, avec une question de récurrence et une question de montrer la forme, c'est-à-dire obtenir ça. Donc clairement, utiliser, passer par un principe de récurrence. L'autre idée que je veux qu'on développe là, c'est utiliser la puissance du fait qu'on ait plein de paramètres dans la fonction gamma et qu'on sait faire des changements de variables affines pour calculer ça beaucoup plus vite. Devant. Le fait de voir dans l'intégrale. Ah, je l'ai plus écrite, je vais la réécrire. Un polynôme devant et une exponentielle de polynôme de degré 1, ce ne sera jamais des trucs trop horribles, ceci peut toujours se calculer par la fonction gamma, à un changement de variable affine près. Alors, je vais réécrire le résultat pour. Ce qu'on sait calculer, nous, c'est ça. Alors, je vais la réécrire avec une autre variable pour qu'on puisse mieux trouver notre changement de variable. C'est même encore plus simple que pour la loi normale. C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler la loi normale. On sait calculer ça, quel que soit n. Alors, pour tout n appartenant à n étoiles. Donc, je vais être clair. La puissance ici, ceci, c'est ce que j'appelle un paramètre. Vous pouvez changer la puissance, ça ne posera pas de difficulté. La grande contrainte de la loi gamma, elle est que le paramètre dans l'exponentielle, c'est moins 1, enfin c'est moins u. Donc la grosse contrainte, elle est sur le moins u. On a du moins u dans la loi gamma, on a du moins lambda t dans notre intégrale à nous. Le changement affine qu'on doit poser, c'est résoudre moins lambda t est égal à moins u. On veut... juste poser u qui vaut lambda t, hein. C'est rien de très méchant, hein. C'est vraiment, là c'est le changement affine le plus classique du monde, enfin le plus simple, fois at, enfin je peux pas faire mieux que ça. Donc clairement, qui tend quand t tend vers 0, vers 0, qui tend quand t tend vers plus l'infini, vers plus l'infini, du c'est lambda dt, et alors j'en profite, je dois remplacer t par du u, j'ai écrit la nouvelle en fonction de l'ancienne, ce serait bien d'avoir l'ancienne en fonction de la nouvelle. Donc si u vaut lambda t, j'ai t qui vaut aussi u sur lambda. Donc cette intégrale, ça devient intégrale de u sur lambda
puissance n exponentielle de, bah c'était le but, moins u, et le dt, bah le dt ça va devenir du sur lambda. Alors maintenant c'est juste, on a fini, enfin c'est juste des petites règles de maths assez simples. Ceci, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de u puissance n sur lambda puissance n exponentielle moins u du sur lambda. Lambda ne dépend pas de u. Donc ça, ça fait du 1 sur lambda n plus 1 intégrale de 0 à plus l'infini de u puissance n exponentielle moins u du. Alors là, c'est là où j'ai des erreurs dans des copies et que ça m'énerve parce que vous avez fait un truc magnifique et là, vous explosez en plein vol. C'est gamma de quoi, ça, l'intégrale qui est derrière mon 1 sur lambda puissance n plus 1? Ici, je circule là. Raphaël? Oui. Alors c'est un truc qu'il va falloir apprendre, on vient de le voir aujourd'hui, donc il faut vous le digérer, mais gamma de n, ou gamma de x, c'est celle où on met du puissance x-1. C'est méchant, faut l'apprendre, il y a un x-1 qui traîne, faut pas l'oublier. Mais j'ai souvent des erreurs de « ah bah ça c'est du gamma de n ». Non, dans la formule c'est du n moins 1, donc ça c'est du n moins 1 plus 1, entre guillemets, où je vais l'écrire comme ça. Je vais l'écrire comme ça, u puissance n plus 1 moins 1, en écrivant en gros que ça c'est mon x si vous voulez d'une certaine façon. Ceci, ça fait donc du gamma de n plus 1 sur... Maintenant, donc, le plus important vraiment, après la factorielle c'est un poil moins important, le plus important c'est que vous sachiez reconnaître quand utiliser la fonction gamma et que vous sachiez me dire ça. Maintenant, petit truc en bonus en plus, vous apprenez gamma de n, c'est n-1 factoriel. On faut qu'on le fasse en exercice, on n'a pas eu le temps de le faire, mais on va le faire en exercice. Ça se fait par IPP comme ce qu'on vient de faire en fait, mais de façon plus générale. Gamma de n plus 1 sur lambda n plus 1, ça fait donc n factoriel sur... Et on a fini les calculs. Pour la méthode 1, j'ai pris tout le tableau plus... Bah, ce que jusqu'à où j'ai effacé un tableau et demi. Pour cette méthode-là, j'ai même pas besoin d'un tableau entier. C'est la puissance d'utiliser la fonction gamma pour faire des calculs d'intégrales quand on ne sait pas faire des formes de référence. N'oubliez pas qu'il y a certaines intégrales qui se calculent par forme de référence. Est-ce que ça va sur ces deux calculs-là? Ok. Alors pour que vous puissiez attaquer votre TD, si vous voulez attaquer votre TD, enfin ce week-end, faut qu'on fasse un exercice de fonction. Parce que ça, on a fait un petit peu sur les séries, vous en avez aussi à me faire en DM. Mais sur les intégrales impropres, on n'en a pas encore fait. Faut que je regarde, je crois que c'est l'exo 7. Alors... Ouais, c'est mon exercice 7. Je peux faire...
Il faut au moins qu'on finisse cet exo, donc si j'ai pas fini aujourd'hui, demain je finis cet exo avant que de passer au DS et tout ça. Parce qu'il est, il y a tellement plein de trucs, j'ai envie de dire c'est la version méga simple de mon exo, de mon sujet préféré, on va dire, voilà. C'est la version où les calculs ils se passent bien mieux, et où il n'y a pas trop à s'embêter avec les calculs. Première question du sujet que vous aurez aussi dans l'autre, on vous définit une intégrale impropre qui dépend d'un paramètre. Et je crée une fonction sur ce paramètre. Première question. Donnez le domaine de définition de la fonction phi. Comme quand on avait des séries à paramètres et on en a eu. Ça revient à dire pour quelle valeur de x est-ce que l'intégrale qu'on a là est une intégrale convergente. De convergence pour ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour parler de la convergence de cette intégrale à paramètres ? Première chose que vous oubliez tout le temps. Edel ? Oui, regardez le domaine de continuité de la fonction sous l'intégrale. Avant toute chose, on va regarder ça. On va regarder le domaine de continuité de la fonction sur l'intégrale en fonction du paramètre x. Il y a peut-être des cas qui ne vont pas aller. Alors ici, ça va plutôt bien se passer. Est-ce qu'on est d'accord que si je prends n'importe quelle puissance positive ou négative d'un nombre positif, j'obtiens un nombre positif ? C'est la seule chose qui m'intéresse, c'est que ceci est positif. C'est tout à fait vrai, il n'y a pas de souci, la puissance d'un nombre positif, quelle que soit cette puissance, ça fait un nombre positif. Donc 1 plus t puissance x, c'est supérieur ou égal à 1, et donc le dénominateur de la fonction n'est jamais nul. Ok. Le dénominateur s'annule pas. Et ce qu'on peut dire, c'est que ceci, c'est clairement continu sur 1 plus l'infini. Pareil, je peux avoir des problèmes à mettre des puissances négatives en 0, mais sur 1 plus l'infini, la puissance, ça pose pas de problème. Et ce, quel que soit x réel. Donc, quel que soit le x réel, la fonction t qui donne 1 maintenant je vais être très clair et j'insiste et c'est grave vous aurez 0 pour tous ceux qui depuis le début de l'année chaque fois que vous parlez de continuité d'une fonction vous mettez juste ça. Parce que si là, je n'ai pas le t flèche, c'est 0. C'est une fonction de quelle variable ? T ou x ? Si j'en sais rien, c'est pas la même réponse. Et c'est faux, globalement.
Donc, je rappelle que quand c'est une fonction, on n'est pas juste lnx et c0. On met x donne lnx, comme ça je sais de quelle variable est la fonction. Oui. Parce que certaines fois on peut se demander lequel des deux faut mettre, mais je comprends pas quand on tient. Parce que là on sait que x appartient à r et que ça dépend de t en fait, c'est pour ça. Alors, on veut regarder quand est-ce que l'intégrale converge. Quelle est la variable qui varie sur l'intégrale? Voilà, à cause du dt, c'est ça. Et donc, non mais du coup, la question doit se poser. C'est-à-dire que je vous dis, il faut être précis là-dessus, mais je suis 100% d'accord avec toi, Valentin. Il faut comprendre laquelle des deux est là. Donc quel est le paramètre, quel est... Il a le droit de changer de valeur, donc il faut vérifier si on ne dit pas des bêtises quand on fait changer sa valeur, c'est x, mais officiellement, x, c'est une constante, en gros. Et ce qui varie, c'est la variable t. Je dis juste que, quel que soit ce petit paramètre, je suis sûr que faire t puissance ce paramètre, c'est positif, donc le dénominateur n'est jamais nul, et la fonction de t est, elle, toujours continue. Voilà. Quelle que soit la valeur de la constante x, en gros. Mais c'est super important, c'est ça que j'insiste. C'est à prendre en compte. C'est-à-dire que quand vous relisez ça et que vous prenez ça, comme c'est bien écrit au tableau, enfin, vous ne voyez pas que c'est ça le point important. Mais c'est typiquement pour ça où, depuis le début d'année, je râle pas pour dire que x donne lnx, enfin, ça sert à rien dans cette situation-là. Dans cette situation-là, c'est capital. Donc l'intégrale est impropre en plus l'infini. On va aller étudier ce qui se passe. Qu'est-ce que vous me dites de cette quantité-là en plus l'infini? Yacine ? Ça tend vers 0 quand t'es dans le truc. Je suis pas d'accord. N ? Non ? Raphaël ? Ça dépend des valeurs de x. Oui, la limite va dépendre des valeurs de x. Ça tend vers quoi? Et on arrêtera juste après ça, mais on aura déjà dégrossi un petit peu les choses. Alors t puissance x, quand t tend vers plus l'infini, sa limite, ça dépend du signe de x, oui? Si x est positif, ça va tendre vers 0. Strictement positif ou positif ou nul? T'as juste dit positif. Strictement positif. Oui. Si x vaut 0, ça tend vers 1/2. Parce que t puissance 0, ça fait 1. Et si x est strictement négatif, bah en gros, c'est comme si on avait du 1 sur t, avec t qui tend vers plus l'infini, donc ça, ça tend vers 0, et ça, ça tend vers 1. Pardon. C'est du 1 sur plus l'infini. On a dit 0, excusez-moi. En plus, Valentin, tu me le dis et j'écris l'inverse. Pardon. Allons-y. Donc, on avait une fonction qui tendait vers 1 si x était strictement négatif, vers 1/2 si x vaut 0, et vers 0 si x est strictement positif. Le but est de savoir si l'intégrale va converger ou diverger selon les valeurs de x. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire de cette limite? Il y a un truc qu'on va pouvoir dire. Même si je dis que j'avais dit que ça n'existait pas, dans ce cas-là, c'est à peu près simple. Si l'intégrale tend vers 1, enfin si la fonction sous l'intégrale tend vers 1 en plus l'infini. Raphaël ? C'est forcément une limite finie. C'est forcément une limite finie. Non, on n'a pas de plus ou moins l'infini dans les limites possibles. Enfin, qu'importe les valeurs de x, ce sera forcément. Elle tend forcément vers un réel. Oui. 1/2. Et ça, ça permet de donner de la convergence. Bon, bah, je vais l'écrire, mais c'est pas grave. Dans le cas x négatif. J'ai donc ceci. On est d'accord, puisque la limite c'est 1, c'est équivalent à 1. Rien de dit très méchant là. Et qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? C'est juste ça la question. Hein. Oui, ça diverge. Ça ne veut pas tendre vers 0 quand vous intégrez une constante 1 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de divergence grossière, parce que ce n'est pas parce que la fonction ne tend pas vers 0. Si elle n'a pas de limite, l'intégrale peut très bien converger. Je l'ai montré avec ma fonction triangle horrible.
Mais soyons clairs, si la fonction a une limite qui est non nulle, elle va clairement diverger l'intégrale. Là, il n'y a pas, y a pas le choix. Cette intégrale diverge. Donc, phi de x diverge. Par critère d'équivalence sur les intégrales de fonctions positives. Du coup, on est tous d'accord. Je le réécris pas. Je voulais juste vous le faire comprendre, mais si la limite c'est un demi au lieu d'être 1, ça ne change strictement rien pour ce qui se passe en 0. Par contre, quand x est strictement positif, j'ai une fonction qui tend vers 0. C'est pas du tout assez précis, il faut que je sache si je vais vite vers 0 ou si je vais lentement vers 0. Donc, si x strictement positif, il faut reprendre l'étude. Si x strictement positif, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? Et ça ne marche que parce que x est strictement positif. Hein. Si vous me dites que c'est vrai quel que soit x, c'est faux parce que vous n'aurez pas le même équivalent. Mais quand x est strictement positif, ce qui se passe, c'est que le t puissance x, il tend vers plus l'infini. Entre lui et 1, qui domine? Je n'ai pas bien entendu, enfin, c'est pas très clair, pardon. Ah, t puissance x, je suis d'accord. Donc ceci, c'est équivalent à t puissance x. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Hélène, Est-ce que ça fonctionne si on puisse tendre t vers plus infini par l'équivalent et vu que ça tend vers 0 par an? Pourquoi ce serait convergent? J'ai un équivalent, et allez pas me dire que parce que ça s'appelle pas alpha, vous allez pas pouvoir me dire la nature de ce truc-là, quoi. Riemann. Adam? Riemann. Bah oui, c'est une intégrale de Riemann, ça converge à quelles conditions? Si x est supérieur à 1. Strict, ouais, mais oui, je suis d'accord. Or, ceci converge si et seulement si, et ça c'est important, x strictement plus grand que 1. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous donne deux choses. Ça nous donne que ça converge si x est plus grand que 1, et ça nous donne que ça diverge si x est inférieur ou égal à 1. Instantanément, on a fini. Cette intégrale, l'intégrale de départ est convergente si et seulement si x est strictement plus grand que 1. Donc, phi de x converge si et seulement si x strictement plus grand que 1. Phi est défini. Ah bon? Elle dit qu'elle pouvait pas en faire à la chaîne. Ah ouais, elle peut pas en faire à la chaîne. Ouais. Bah vous allez patienter 5 minutes dehors et vous revenez à 10 s'il vous plaît. Ça vous apprendra à arriver en retard à mon cours. De façon, soyons clairs, là vous êtes combien? C'est pas normal ça. Hop, voilà. Ensuite, donc, cette fonction au final est définie sur 1 plus l'infini. Qu'est-ce que ça permet de faire? Alors c'est juste pour dire que c'est un truc classique. Les intégrales à paramètres, ici le paramètre c'est x, bah, si on vous fait la convergence pour plusieurs valeurs du paramètre, par exemple ici une valeur continue du paramètre de 1 plus l'infini, ça devient une fonction. Et comme on l'a déjà vu pour les séries ou pour d'autres cas, cette fonction, on peut l'étudier. On peut vouloir étudier sa monotonie, on peut vouloir étudier ses limites, tracer son tableau de variation, vérifier de la continuité, vérifier de la dérivabilité, et refaire tout ce qu'on a fait sur déjà des exos de séries, comme en appliquant Taylor-Lagrange ou ce genre de choses, pour montrer les propriétés de l'intégrale. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Il y a des choses classiques qu'il faut qu'on voit, parce que, et ça c'est super important, tous ceux qui m'ont pris le sujet Math 2 la dernière fois, vous m'avez fait pour la plupart n'importe quoi à la question de continuité sur la fonction, je vous l'avais mis sur votre copie, vous m'utilisez que la fonction est de classe C2, et donc qu'on peut appliquer Taylor-Lagrange à la question C, pour montrer à la question D qu'elle est continue quand même. C'est quand même dur d'utiliser le fait que la fonction est C2,
pour montrer qu'elle est continue. Donc on n'a aucune information de continuité, de quoi que ce soit. Vous ne savez rien faire, vous ne savez pas dériver, vous ne savez rien faire sur les fonctions qui sont définies par des séries, par des intégrales ou par ce genre de choses. Ici, c'est ce qu'on a ici. Du coup, passons à la deuxième question. Montrons que phi est une fonction décroissante. Comment on va faire du coup? Je peux pas dériver, j'ai pas le droit. Comment on fait pour trouver qu'une fonction est décroissante? Hélène? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez juste vérifier dans le sujet? C'est l'exercice 7, j'ai pas regardé. On demande décroissante ou strictement décroissante? C'est juste que je vais peut-être prouver strictement décroissante juste pour montrer la toute petite différence qu'il y a entre les deux. On peut le faire. Montrons que phi est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Quoique, non, c'est plus dur, non, on va montrer juste décroissante parce que strictement ça va poser un tout petit problème en 1 et j'ai pas envie de m'embêter avec ce problème-là. Ok, comment on va faire? On va prendre un x plus petit que y et on va aller montrer que phi de x est plus grand que phi de y. Avec bien sûr x lui-même, vu qu'on est sur 1 plus l'infini, excusez-moi, mais on va dire ça, soit x plus petit que y avec x strictement plus grand que 1. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? Comment vous revenez de cette amorce-là, qui est là, à la quantité qui est là? Il me faut une idée. Comment je fais apparaître l'intégrale de 1 sur 1 plus tp puissance x dt quand j'ai quelque chose sur x. Ça peut s'écrire de deux façons différentes. C'est juste que l'argument d'écriture n'est pas le même. Au final, on va retomber sur la même chose. Comment vous écrivez les choses, Océane? Ouais, mais le problème, donc là, dézoom, vas-y. On a x plus petit que y, comment tu me fais apparaître tes puissances x? Vous pouvez vous installer, merci beaucoup. Je vais être clair, le prochain qui est en retard, il a un travail, il ne rentre pas dans ma salle sur les heures. On est d'accord? Là, ça redevient comme au début de l'année. C'est n'importe quoi. Hier matin, il y a eu des soucis. Je suis d'accord, je vous ai laissé rentrer comme n'a rien. Les autres matins, il y a des retards qui ne sont pas dus à ça. Je ne le tolère plus, j'en ai marre. On est d'accord? Vous voulez pas venir en classe, vous venez pas en classe directement. Donc comment est-ce qu'on peut faire apparaître t puissance x quand on sait qu'on connaît x? Il y a deux arguments différents. Les deux peuvent être bons, mais il faut une précision différente sur les deux. Il y en a un qui pourra être plus simple pour moi, mais moins naturel. Raphaël? Je suis pas sûr, peut-être qu'on peut écrire le t puissance x en forme expo. Et du coup, C'est ce qui me paraît la solution la plus sûre pour que vous me racontiez pas de bêtises. Hélène, c'était la même idée ou pas? T'aurais dit quoi? Alors, si tu me mets strictement supérieur à 0, c'est là où ça pose un gros problème. C'est ce que tu viens de me dire, et faux. Et voilà pourquoi on a le droit directement de passer à t puissance x plus grand, plus petit que t puissance y, mais seulement en précisant que x est supérieur ou égal à 1. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, t, pardon, pas x, t est supérieur ou égal à 1. Donc attention à ça. Deux façons, là je vais faire les deux façons. Soit vous vous dites que t puissance x c'est exponentielle x ln de t. Et dans ce cas-là, comment on va faire l'amorce ici? On va juste dire qu'on multiplie cette équation. Je vais d'abord faire fois ln de t. J'ai le droit de multiplier par ln de t? Ah, faut que je mette son signe. On connaît le signe de ln de t? Yacine? Il appartient à 1 plus l'infini, donc ln de t. Alors, supérieur ou égal à 0, car t appartient à 1 plus l'infini.
Donc maintenant, j'ai le droit de dire que j'ai ln de t strictement plus petit que x ln de t strictement, enfin inférieur ou égal à y ln de t. À ce moment-là, je compose par l'exponentielle qui est strictement croissante sur r, mais celle-là, il n'y a pas de problème, on ne va pas le préciser. Ça me fait t strictement plus petit que t puissance x inférieur ou égal à t puissance y. Et vous pouvez dire ça, ou alors directement, donc, t puissance x plus petit que t puissance y, car t supérieur ou égal à. On vous croit sur parole instantanément du moment que vous écrivez ça. Donc, vous pouvez partir de l'une ou l'autre des deux amorces, on s'en fiche, du moment que vous avez un truc à peu près clair là-dessus. Bon, il n'y a qu'une des deux méthodes qui passe au tableau. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin. C'est pas très 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 grave. Est-ce que ça va à partir de là? Maintenant, l'amorce se passe tranquillement pour le reste. Je vais avoir du 1 plus t puissance x, je vais juste repartir des deux ensemble. Ça ne sert à rien de séparer. J'ai donc 1 plus t puissance x qui va être plus petit que 1 plus t puissance y. Je vais donc avoir 1 sur 1 plus t puissance x qui va être plus grand que 1 sur 1 plus t puissance y. Car la fonction inverse est strictement décroissante sur r plus étoile. Et là, alors... Il suffit de faire des maths correctes, c'est-à-dire que je préfère que vous le fassiez en deux temps, mais on peut zapper une étape intermédiaire. Donc je vais l'écrire proprement. De ceci, ce que vous êtes tous capables de déduire, c'est que ceci, ça implique, et ce n'est pas une équivalence, à ce que l'intégrale pour tout a strictement positif, pour tout a strictement plus grand que 1, si les bornes sont dans le bon sens, l'intégrale de 1 à 1, de 1 sur t puissance x dt va être supérieur ou égal à l'intégrale de 1 de 1 sur 1 plus t puissance y dt. Ça marchera toujours. Il vaut mieux le faire, ça coûte qu'une ligne, ça vous prend 10 secondes à écrire si vous savez le faire. Avant de passer aux intégrales, avant de passer à la limite quand a tend à plus infini. Pourquoi? Parce qu'imaginons que dans un cas, vous n'ayez pas prouvé la convergence des deux intégrales, ici à cause de la question 1 du sujet. On sait que chacune des deux intégrales converge, donc on aurait pu zapper cette étape-là, mais il faut absolument avoir la convergence de toutes les intégrales si vous voulez avoir le droit de passer aux intégrales de 1 plus l'infini. Donc ceci maintenant implique qu'en a tend vers plus l'infini, à ce que ceci est plus grand que ceci, les intégrales étant convergentes. On ne peut faire des amorces sur des intégrales impropres que si les intégrales sont convergentes. Sinon, vous minorez ou vous majorez par plus l'infini, on ne le fait jamais en maths. Et donc ça nous donne bien, c'est grand phi, la fonction phi de x plus grand que phi de y, ce qui est la définition de donc phi décroissante. Ok. Donc typiquement, on pourrait essayer de tracer faire le tableau de variation de la fonction phi. Alors, pareil, on n'a aucun résultat de limite pour les intégrales à paramètres ou ce genre de choses, comme les séries, comme tout ça. Donc, la dernière question, je vais la modifier légèrement par rapport au sujet. Parce que je veux changer ma façon dont vous approchez ces questions-là. C'est un niveau en plus, mais ça vaut tellement de points qu'il faut que vous sachiez le faire et le voir. Question 3. Montrer que pour tout x strictement plus grand que 1, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t puissance x dt pourrait même écrire juste phi de x en fait. Excusez-moi. En déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x. Et ma question est complètement différente de ce que je poserais d'habitude. Il vient d'où ce terme-là?
Vous n'avez pas à connaître ce résultat, mais vous devez savoir le retrouver vite et bien. Isine ? C'est l'intégrale de Riemann, elle se calcule en alpha moins 1. Donc ici, c'est l'intégrale de Riemann pour alpha égale x. Donc ce qu'ils veulent vous faire faire quand vous voyez un résultat comme ça, c'est faire ce qu'on a fait là pour la décroissance, pour l'amorce, mais en ayant en tête que vous voulez vous comparer à une intégrale de Riemann. Donc c'est ça qui est important et c'est pour ça que je voulais modifier ma question pour que vous le voyez comme ça. Si vous voyez un paramètre, on va en reparler quand on va parler du sujet de concours de cette année. Si vous voyez un paramètre n et que là il y a du n moins 1, avec une intégrale qui va de 1 plus l'infini. Si vous voyez un paramètre 2x et que là il y a du 2x moins 1. Si vous voyez, je veux que vous ayez en tête, ça vient de l'intégrale de Riemann ce truc-là. Si l'intervalle c'est 1 plus l'infini, sinon vous ne le fera pas faire. Donc c'est ça l'idée. Allons-y. On a comment on va partir de notre amorce? On va partir d'un truc tout bête. Pour tout x aussi, c'est juste que 1 plus t puissance x est forcément plus grand que... C'est forcément plus grand que t puissance x. J'ai ajouté 1 entre les deux. La fonction inverse étant strictement décroissante sur r plus étoile. Ce qui implique que l'intégrale de 1 à a de ceci pour a strictement plus grand que 1. Je parle pas de la continuité des fonctions, parce que je vous rappelle que pour le domaine de définition, on a été obligé de parler du domaine de continuité de la fonction sous l'intégrale déjà. Donc on l'a déjà dit. On va pas s'embêter à détailler ça. Je vais directement passer à phi. Donc phi de x, c'est plus petit que l'intégrale de ceci. Je vais mettre qui converge. Ah, ou alors je le fais mieux même encore, excusez-moi. On peut faire strictement mieux. N'écrivez pas la dernière ligne. Comme mon but, c'est de la calculer, cette intégrale. Plutôt que de passer à la limite et vouloir la calculer, autant la calculer, puis passer à la limite. Ce sera strictement mieux. Donc je vais garder mon membre de gauche. Donc ça s'appelle pas phi, donc je suis obligé de le garder. Mais ceci, c'est plus petit que t puissance moins x plus 1 à prendre entre a et 1. Et ceci, ça vaut a puissance moins x plus 1 sur moins x plus 1, moins 1 sur moins x plus 1. Alors je vais le réécrire un tout petit peu, c'est juste parce que x étant strictement plus grand que 1, je le réécris là-haut. Je vais l'écrire comme ça, parce que ceci est positif du coup. Je vais l'écrire comme ça. Ceci tend quand a tend vers plus l'infini, vers 0, car moins x plus 1 est strictement négatif. C'est une puissance négative là-haut. Bon, et maintenant, on a quasiment gagné. Il ne faut pas juste oublier quelque chose. On veut la limite de phi en plus l'infini. Qu'est-ce qui nous manque, Yessine ? La fonction interne intégrale est positive. Oui. Son orbite, c'est plus grand ou égal à 0. Ouais. Ne pas oublier la positivité de l'intégrale. Enfin, ne pas oublier un théorème d'encadrement. Et donc, il faut l'encadrement par l'autre côté. De plus. «
ceci tend quand x tend vers plus l'infini vers 0. Donc phi de x tend quand x tend vers plus l'infini vers 0 par théorème d'encadrement. Oui, Raphaël. Vous avez oublié de réécrire votre déterminateur dans votre primitive divisé par moins x plus 1. Ah, je l'ai pas écrit dans la. T'as raison, je l'ai pas écrit dans la primitive ici. J'ai voulu le calculer en dessous et j'ai oublié de le réécrire. Merci. Tom. Pourquoi vous mettez une application entre les deux intégrales? L'intégrale de 1 à 1, t puissance x plus 1 dt. Ah, la deuxième ligne? Non, c'est parce que j'étais passé à l'implication. Non, non, bien sûr. La seule implication, c'est au moment où on passe à l'intégrale. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Océane. Parce que là, ce que j'ai mis derrière, la puissance est strictement négative. Un nombre qui va vers l'infini, puissance négative, c'est comme si on avait du 1 sur l'infini. Et 1 sur l'infini, ça fait 0. Je pense qu'avec ça, on a fini l'exercice ou il y avait une autre question? Je m'en rappelle plus.